maximum. Alors, pour démarrer aujourd'hui, mardi, on appelle l'artiste orchestre du peuple et on va lui poser des questions et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Allô? Masfaya, bonjour. Bonjour. Pardon, c'est qui? C'est Elisabeth. Ah, Elisa, comment tu vas? Je vais très bien, et toi? Je vais bien aussi. D'accord. Alors, avant de discuter, de te poser les questions que j'ai à mon niveau, il faut déjà que tu signes ta présence hein, dans l'émission Maximum. Tu vas crier, tu vas faire un gros cri, c'est Masfaya dans Maximum sur Zephyr. Yeah, it's your boy, Masfaya, jaloux. Voilà. It's your boy Masfaya sur Maximum sur Zephyr avec Elisabeth Apampa. Voilà. Ça sent le grand réveil. Ouais, je viens de me réveiller juste comme ça, voilà. Dis-moi, d'habitude, tu te réveilles à partir de quelle heure? Normalement, je me réveille à 8h, parce que je dors pas vite. Donc, tu es couché tard? Noctambule. Ouais. Je me suis couché à 1h du mat, je crois. À 1h du mat. Donc, c'est ton appel. Je me suis réveillé. Alors, le dimanche, on t'a vu en direct, c'est ça? Un projet en ce sens pour quand même alimenter la toile, faire plaisir à tes fans. Ouais. Tu nous racontes un peu ce projet que tu as actuellement? Oui, en fait, actuellement, il y a... En fait, le monde entier est en confinement, en fait. Tu vois? Oui. Donc, il y a plus de scènes. On a plus de scènes. Il y a plus de concerts. Il y a plus de rendez-vous dans les bars. Il y a plus de showcase. Il y a plus rien, tu vois? On est donc, en chômage. Voilà. Et puis, il y a les fans. Il y a même les bars qui fonctionnent plus. Tu vois? Donc, je me suis dit, on est en confinement, il y a le stress et tout. Mais pourquoi ne pas organiser des concerts live direct du Facebook? Tu vois? Pour enjailler les fans, pour faire danser les fans et tout. Et j'ai fait parler de ce projet avec le staff et tout. Et on a décidé de commencer le dimanche passé. Et ça s'est bien passé. Il y a les fans qui ont adoré. Il y a les gens qui m'ont suivi. Les gens ont partagé le direct et tout. C'était vraiment super, en fait. Et c'est parti pour combien de temps? Tu vas le faire combien de fois? Peut-être la semaine ou c'est chaque dimanche? Quel est le programme? Oui, en fait, le programme, normalement, c'est de le faire chaque dimanche. Mais après le direct du dimanche passé, il y avait les fans, il y avait mes grands-frères qui m'ont appelé de le faire encore. Dimanche est trop long, en fait. Donc là, de le faire, il y a certaines personnes qui ont proposé de le faire chaque fois. Il y a des gens qui ont proposé de le faire au moins 4 fois par semaine. Bon, donc il y a eu des propositions. Donc là, on va en parler avec le staff pour anticiper, voir si on peut encore ajouter des séances pour faire plaisir aux fans, en fait. D'accord, belle idée, donc bon courage à toi. Merci beaucoup, Lisa. Alors, quelle est la dernière chose que tu fais avant de fermer les yeux? La dernière chose que je fais, c'est de rester sur le net. Comme je n'ai pas l'habitude de me connecter et tout, chacun jour au studio. Donc là, quand je termine le boulot au studio, moi, je prends au moins 30 à 1 heure de temps pour parler avec mon staff, en même temps, voir qui est sur la toile et tout. Voilà. Et après, non, je viens, faut te calmer, ma chérie, calm down. Ok, d'accord. Non, après ça, et parce que de toutes les façons, en faisant ça, je suis toujours en studio. Et tu vois,
Donc, quand je quitte le studio, je rentre dans ma chambre, je me douche, et puis je rentre au lit. Et c'est il faut toujours prier avant de faire dodo. Ah, c'est obligatoire. Moi. Dieu t'écoute et t'envoie. Ah, dis la vérité. Ah, il est avec moi. Il fait que je dis la vérité. Alors, d'accord. Décris-nous l'ambiance de ta chambre. Quelle est la couleur et tout? On veut tout savoir. Le lit, c'est combien de places? Ok, mon lit, c'est trois places, avec quatre oreillers. La couleur de la chambre, j'ai deux couleurs. Il y a la couleur bleue, il y a rouge, de mélanger. Bon, c'est un truc genre rouge, mais pas trop rouge, en fait. Voilà, et le bleu aussi, c'est pas bleu foncé, mais c'est bleu. Et tu dors seul dans ce lit-là, de trois places, pour une seule ouais, ce n'est pas évident. Non, c'est pas évident. Je dois être dans mon lit, en fait. Ok. Et tu attends quoi pour ton mariage? C'est pour quand? Ça va arriver bientôt. Tu as déjà une go dans ton viseur que tu remarques? Ouais, je suis en train de viser sur une actuellement, là. Mais bon, avec l'aide de Dieu, on va voir ce que ça va donner. Et le pire... On est en confinement, donc tout ça là, c'est compliqué en fait. Mais c'est quoi ton genre de femme déjà? Mon genre de femme? Mmh, Elisa. On réveille un monsieur le matin, on lui demande tout en même temps. Ok, j'aime les genres de femmes pas trop grosses en fait. Femme Coca-Cola, un peu de derrière, un peu de poitrine avec des amortisseurs en forme et tout. Voilà. Comment faire Boya, Sege. Ouais, Boya. Quand je dis Sege, Boya là, en fait, ce n'est pas pour ceux qui ont la pompe ou bien ceux qui ont des derrière. Mais ça, Sege, Boya là, c'est à tous les femmes en fait. Il y a même les femmes qui n'ont même pas de fesses, ils sont Boya. D'accord. Et tu t'habilles comment avant de dormir? Tu es tout nu, avec un short, je ne sais pas. Comment tu es? Non, je porte des bazars, mais c'est en fait pour une autre église en fait. Donc il ne t'arrive pas de dormir vraiment nu? Non. Je suis toujours... dans un débarras, puis un chant et tout, et voilà. Sinon, dormir nuit, non. Je suis pas trop dans ces trucs-là. Tu rêves beaucoup ou non? Non, pas trop. Je rêve pas. Ils ne te viennent pas en tête, peut-être quand tu dors, non? Oui, en fait, je passe beaucoup de temps en studio, en fait. Et tu vois, il m'arrive de ne pas dormir dans la chambre et c'est au studio que je dors. Je travaille jusqu'à arriver à 2h du matin. Je peux juste me coucher juste à côté et me réveiller encore à 5h ou à 6h du matin et encore commencer le boulot en fait. Donc, voilà, il y a, bon, quand j'ai pas trop de boulot, je dors dans la chambre, mais quand il y a trop de boulot à faire, c'est dans le studio, en fait. Aux dernières nouvelles, on m'a dit, on a eu l'information que Max Faya n'est plus à décaper, hein? Oui, en fait, le studio, j'ai déménagé le studio, mais ce n'est pas que le studio n'est plus à décaper, en fait. Mais tu vois? Il y a toujours les accessoires et là-bas pour ceux qui veulent travailler à ADKP. Mais le truc, c'est que je ne suis plus à ADKP, tout le temps être à ADKP. Donc actuellement, je suis à Dido Gomez Salvador. À Dido Woodboy. Ok, d'accord. Yeah. Je sais que le coronavirus a forcément modifié beaucoup de choses dans ton programme. On en parlait dès le début. Alors, Si tu as un conseil ou des recommandations à faire à tes fans aujourd'hui pour les gestes barrières, qu'est-ce que tu peux signaler rapidement cette matinée? Oui, en fait, le truc nécessaire, tu vois, on néglige
beaucoup de choses. Et en fait, parce que l'affaire de coronavirus, c'est un truc vraiment réel que on doit prendre des précautions sérieuses. En fait. Donc, il faut qu'on on nous a dit de, quand on se voit, de se mettre à un mètre de soi. Et tu vois, donc, j'évoque tous mes fans. Quand on se croise là, au moins, il faut se mettre à un mètre avant de se parler. On doit se laver les mains régulièrement, ça c'est nécessaire. Très important. On doit se promener avec nos cache-nez. Voilà. Alors, dans ton assiette, tout de suite, tu mangeras quoi? Tu aimes quoi? Tout de suite, là. Oui. Non, je veux juste prendre du thé, c'est pour midi. Hein. Non. Ouais, je vais prendre du thé. Et puis c'est fini. Et midi? Non, moi, j'aime trop la pâte, en fait. La pâte? Ouais. Quelle sauce? Sauce au poisson, même mélanger un peu d'atelier. Oh, c'est trop doux. Là, on t'a emporté loin dès qu'on te prépare ça. Like Botemi. Elisa, c'est à moi qui fais ça, non? Je ne dis okay. rien. Allez, ok, c'est d'accord. C'est un plaisir de discuter avec toi, mais avant de partir, tu nous fais a cappella de quel morceau? Actuellement, comme on est en confinement, on fait le son de coronavirus. En fait, il n'y a pas de merci. Il est gagné à aller. Il n'y a jamais de fouiller. Il n'y a rien de plus. C'est bon, tu comprends ta merci. Il n'y a que gagné à aller. Et donc, il y a un peu de coronavirus. Mais voilà, je vais te faire un gros bisou, mais on laisse tomber alors, on laisse tomber. Non. En fait, le bisou, tu me l'envoies par mail. Lol, allez, à très bientôt, Max. Belle journée. Merci beaucoup, Elisabeth, merci beaucoup. Maximum.